La terrible affaire du pacte de mort se déroula à Londres en 1887. Ce fut l'un des épisodes les plus pénibles et les plus déroutants de ma longue collaboration avec M. Sherlock Holmes. Rien ne pourra jamais atténuer dans mon esprit l'horreur profonde de ces événements qu'il me semble aujourd'hui indispensable d'ajouter à cette chronique. Si, dans l'avenir, un étranger vient à prendre connaissance de ces mémoires, il comprendra, je l'espère, que j'ai longtemps préféré ne pas parler de ce drame lorsque j'ai entrepris de raconter pour les livrer au public les exploits de mon ami. Car cette tragédie m'a semblé trop affreuse pour être révélée. Tout a commencé, en fait, 30 années plus tôt, en Inde, lors de la grande mutinerie survenue au Fort Rouge, à Agra, la principale citadelle de la souveraine locale. Sacré bon sang, Ross, c'est d'argent que je parle. Il me faut 50 roupies ce soir. Pour quoi faire? Vous ne pouvez aller nulle part. Je vous en prie, 50 roupies, c'est pas beaucoup. Mais pourquoi? Il y a une course aux formes ce soir? À minuit, sur la place, dans le vieux quartier. Je trouve vraiment incroyable que ces Indiens puissent organiser une course de chevaux alors que la ville se trouve en proie à un soulèvement qui a tout l'air d'une vraie révolution. Il y a un superbe poney qui s'appelle Talidala. Je pourrais doubler ma mise. Allons, vous ne pouvez pas vous absenter ce soir. Vous et moi, nous avons reçu pour mission de surveiller 25 portes jusqu'au lever du soleil. Laissez-moi m'éclipser une heure dans la soirée. Mon cher, nous combattons une révolte. Mais non, les rebelles n'approcheront pas du fort, pas avec Wazir Khan sur la colline. Ne soyez pas naïf, Wazir Khan nous laissera tomber pour se joindre aux rebelles à la première bonne occasion. Il est notre Maharaja, il nous est entièrement dévoué. Garou! Vous aussi. Votre nom? Small, Major. Première classe, Small. Tout est en ordre, première classe, Small. Pardon, Major, mais c'est ma première nuit de garde aux portes. Je me sens comme un enfant séparé de sa mère. Pouvez-vous me dire quelle est cette porte en cas d'ennui? Nous sommes ici. Le fort a une centaine de portes à garder. Et nous avons seulement 100 hommes européens. Alors nous avons décidé qu'il y aurait de garde à chaque porte un soldat de chez nous et deux auxiliaires indigènes. S'il y a un problème, faites feu en l'air et les renforts arriveront. Si vous voyez un rebelle venir de là-bas et approcher de la porte, abattez-le. Bien. À présent, je vais inspecter vos hommes. Pour l'inspection, garde à vous! Que soit bénie la célèbre boucle sur le ceinturon de la grande reine Victoria. Je suis le major Alistair Ross. Major, c'est pas mal l'histoire de la mère perdue. Adresse-toi aux officiers, dis-leur comment tu t'appelles. Ah, je m'appelle Dokadas, 40e régiment de Sipaye. Et lui, c'est Walidad. Il est afghan et très ignorant. Cet homme est malade. Non, il est muet, mais le reste va bien. On devrait le remplacer, il ne fait pas l'affaire. Non, non, ne le renvoyez pas. Il a un pouvoir. Il peut vous le montrer. Comment? Cette mutinerie. Si vous connaissez le nom du chef des rebelles, dites-le à Walidad. Il enverra un mauvais sort à son chef et ça le tuera. Major, je vous présente toutes mes... Non, il m'intéresse. Un mauvais sort. C'est vrai, Wally peut en envoyer un très loin, transmis par un charme, n'importe quoi. Ça peut être aussi insignifiant qu'un petit morceau de papier, ou aussi atroce qu'un pauvre homme sans visage. Un homme sans visage? À l'épreuve.
Les magiciens qui connaissent tous les secrets savent comment envoyer un sort qui va s'abattre sur la poitrine de son ennemi et provoquer sa mort pendant son sommeil. Comme le dieu de la mort, Sahib. Seigneur, ça me donne des idées. Walidad est un sorcier. Laissez-le envoyer un sort pour vous. Peut-être que ça peut terminer la mutinerie. Le dieu de la vengeance viendra à son aide. Sois un peu raisonnable. Ne mêle pas les dieux païens à cette histoire. Small, c'est de l'insubordination. Capitaine, ne frappez pas mes hommes. Sinclair! Je vous présente mes excuses pour cet officier. Vous aviez raison en première classe. Mangez. Oui, Major. Bien, nous allons finir notre ronde et ensuite nous préparerons notre rapport. Ouvrez l'œil. En route, Sinclair, ça va être l'heure de la course de chevaux. Ce serait ridicule de la rater. Quant à vos 50 roupies, nous allons en parler. Sahib, pas un mot. Alors, tu peux parler. Oui, et toi, tu peux écouter, ou tu vas mourir. Tu te joins aux rebelles, ça? J'appelle les officiers. Ils ne viendront pas si tu tires pas de coup de feu. Mais ne t'inquiète pas pour le fort. Ils ne courent aucun risque. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas d'argent. J'ai une bonne montre, tu peux la prendre. Je possède plus d'un million de livres en bijoux. Tu peux les avoir. Qu'est-ce que tu veux? Faire de toi un homme riche. Écoute, Wazir Khan, le Maharaja, votre ami, a choisi les rebelles. Les Anglais ne le savent pas. Il a pensé qu'en agissant comme ça, il pourrait garder sa fortune. Il a mis de côté les plus éclatantes précieuses que sa famille lui avait transmises et il les a placées dans un coffre solide. Ça représente une fortune, Sahib. Et il les envoie par un serviteur de confiance ici, ce soir, pour les cacher dans le vieux quartier. Ce serviteur attend à moins de 2 minutes de l'endroit même où tu es, Sahib Small. Là, dehors! C'est une plaisanterie. Non, non, c'est un miracle. Comme il s'en produit seulement un ou deux tous les 100 ans. Qu'est-ce qui se passera pour le serviteur fidèle? Durgadas lui coupera la gorge. Décide-toi, Sahib. Tu es avec nous ou tu te tairas à jamais. D'accord. Je marche avec vous. Jure-le. Je jure que je marche avec vous, sans hésitation. Très bien. Tu vois qu'on a confiance en toi. Sors maintenant, Durgadas, et ramène l'Alsing jusqu'à la porte. Allez, viens. Sans visage, un homme sans visage. Ah, Maya, le mauvais sang. C'est horrible. Seigneur, mais les officiers vont arriver. Tu l'as bien vu. Prie pour ton salut. Le mauvais sang est sur moi, Walidad. Je suis un intouchable. Écoute-moi bien, ce n'est pas un sort. Le Maharaja s'est joué de toi. Il a envoyé un lépreux avec le trésor à la place de l'Alsing parce que personne ne toucherait un lépreux. Mais je viens de toucher ce lépreux. Oh, je suis maudit et j'ai perdu ma caste. Je suis impur et intouchable. Allez, va porter le coffret dehors. Lui, je le mets hors de vue. Surtout, ne parle pas aux officiers. Oui. Ne bougez pas. Le coup de feu qu'il a tiré. Première classe, Moll. Qui est cet homme? Il essayait de franchir la porte, Major. Dieu tout-puissant, c'est un lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le Maharaja s'est rallié aux rebelles. Il a envoyé tous ses bijoux au fort pour les mettre à l'abri. Ils sont là-dedans. Il a choisi un porteur lépreux. Ces deux-là voulaient le tuer pour garder le trésor. Mais ils vous ont offert de le partager avec vous? Oui, Major. Êtes-vous prêt à passer les 20 prochaines années de votre vie au célèbre pénitencier des îles Andaman? Je crois savoir que c'est une prison particulièrement dure pour les condamnés qui y sont envoyés. Je suis prêt à tout ce qui peut m'arriver. Il y a bien 1 million de livres dans ce coffre. Plus. Peut-être bien qu'il y a une autre façon plus adroite de régler cette curieuse situation. Il faudrait alors penser à tout le monde, Major. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a? Approche, on ne va pas te faire de mal. Capitaine, il s'est donné la mort. Il disait que c'était une malédiction. Laisse-moi voir ça. Remets-lui le coffret. Tu n'as pas le choix. Fais-moi confiance. Tu peux. Ils vont nous tuer tous les deux. Non, j'ai un plan. Remets-leur le coffre. Alors, discutons. Discutons. Mais tu parles? Je parle trop bien. Dans cette Inde qui est soumise aux Blancs, il vaut mieux se taire et écouter. Tu étais un muet très convaincant. Ne me flatte pas, Sahib. Pourquoi tu as peur? On ne va pas te tuer. Il n'y a pas la moindre place pour moi dans vos plans. Si, bien sûr. Étrange. Les jolies fleurs des pêchers recouvrent tout le flanc de la colline. Mais ici, il n'y a que poussière et mauvaise odeur. Allons, je te le répète, n'aie pas peur. Nous sommes ensemble dans ce coup. Ensemble? Alors mes yeux sont aveugles. Le trésor est à vous deux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des Blancs comme vous deux ne peuvent pas s'associer avec deux potentés. Tuez-le! Non! C'est fait. Et pour Small? Tuez-le aussi. Pourquoi partager en trois? Écoutez, il y a déjà 3 morts. Cette malédiction, vous croyez que ça peut être vrai? Vous voulez jeter un coup d'œil sur votre avenir? Je l'ouvre? J'ai peur. Et de quoi? C'est peut-être vide. On affirme souvent qu'il n'y a rien de romantique en Inde. Ce n'est pas vrai. Toutes les étoiles du ciel dans un coffre. Et ces étoiles sont à nous deux. À vous et à moi. Reposez ça. Où est Wali Dad? Mort. Mon Dieu. On ne pouvait pas le laisser aller tout raconter à ses amis. On ne peut pas faire confiance aux indigènes. C'est le problème, hein? Est-ce que je dois vous croire? Et vous me croire, moi? Pouvons-nous nous fier les uns aux autres? Ce n'est pas rassurant d'y songer. Mais il y a bien un autre moyen. Qu'est-ce que vous proposez? Une couverture. Un accord. Vous pensez à un papier? Un papier qui dirait que nous trois sous-signés avons commis 2 meurtres et causé aussi un suicide pour nous emparer d'une grande fortune et que pour l'avenir, nous essaierons d'être serviables les uns envers les autres. Vous voulez mettre nos noms sur un document pareil? Ce n'est pas la peine. Alors quoi? Je veux votre sang. Notre sang? Oui. Il faut signer un pacte de notre sang et jurer que si jamais nous rompons ce serment, nous perdrons notre salut éternel. Ce serait un sacrilège. Vous êtes aussi fous que les indigènes. Il faut que vous soyez d'accord. Les gardes arriveront bientôt. Ils ont entendu tirer. Oui ou non? Alistair, non. Mais si! C'est le seul moyen.
sacrilège. C'est nous livrer au diable. Vous apprendrez, cher ami, que si vous avez envie de faire fortune dans ce pauvre monde, il n'est pas toujours censé de se laisser troubler par la pensée de ce qu'on appelle le diable. Et vous voulez avoir la fortune, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez toujours désiré? Londres, 30 ans plus tard. C'est pour me tuer? Vous semblez parfaitement capable de vous tuer tout seul et sans mon assistance. Vous développez un certain penchant à la mauvaise humeur contre lequel vous devriez lutter, si c'est encore possible. Oh, pardon. Je viens d'officier toute la journée comme starter de course à pied à Pimlico. J'avais oublié que je tenais ça à la main. Le courrier est arrivé? Oui, comme vous pouvez le voir. Il faut qu'on parle tous les deux. Je ne peux pas me taire plus longtemps. D'accord, alors allez-y, je vous écoute. J'essaierai d'être clair. J'ai trop de respect pour ma santé pour continuer à supporter une tension comme celle-là. Oui, vous avez raison. J'avoue avoir découvert que, tout en vous clarifiant l'esprit, ce qui est secondaire, certaines pratiques vous libèrent pour un moment. Oui, mais à quel prix? Je me place sur un plan médical. Il y a un processus morbide et pathologique qui provoque une destruction des tissus et peut, à la longue, conduire à une déficience définitive. Le pari est trop élevé. Mon esprit se refuse à la stagnation. J'aborde la tristesse d'une existence routinière. Je me sens frustré. Mais ceci n'est pas une solution. Mais que faire? Donnez-moi la plus compliquée des énigmes, la plus difficile des analyses, je serai dans mon atmosphère. Et je n'aurai aucun besoin de chercher un autre genre de stimulation. Est-ce que vous trouverez impertinent si je vous propose de mettre votre théorie à l'épreuve? J'en serais plus que ravi. Cette montre est tombée tout dernièrement en possession. Peut-être que vous pourriez découvrir quelques caractéristiques de son dernier propriétaire. C'est pas facile. Elle ne porte aucune date. Et en plus, elle a été nettoyée récemment, ce qui me prive de renseignements importants. C'est exact. Elle a été nettoyée juste avant de passer en mes mains. Ce qui constitue, je dois vous le dire, une bien pauvre excuse pour expliquer votre déconfiture. Je n'en fais pas une excuse. C'est une montre de grand prix qui appartenait à un homme très bien, qui faisait preuve, malheureusement, de fâcheuses habitudes. Il avait pris un bon départ dans la vie, mais il avait gâché ses chances. Il a connu une réelle pauvreté avec de temps à autre des intervalles de prospérité. Mais à la fin, il s'est mis à boire et il est mort. Cette montre, en fait, appartenait à votre frère aîné. Ce n'est pas digne de vous, Holmes.
Vous aviez bien entendu étudier la vie de mon pauvre frère, et vous me faites croire que vous déduisez ces détails de vos observations et rien d'autre. Mon cher ami, je vous dois toutes mes excuses. J'oubliais à quel point ces faits pouvaient être encore pénibles pour vous. Mais croyez-moi, jamais je n'ai su que vous aviez perdu un frère avant de regarder cette montre. Alors où diable avez-vous trouvé toutes vos remarques? Elles sont absolument exactes jusqu'au moindre détail. Vous n'avez pas pu deviner tout ça? Je ne devine rien. C'est une mauvaise habitude qui détruirait toutes mes facultés. J'ai commencé par établir que votre frère était peu soigneux. Regardez la partie inférieure du boîtier. Elle porte beaucoup de petites marques qui proviennent d'un frottement contre d'autres objets, des pièces ou des clés dans la même poche. Bon, ouvrez le boîtier. Quand un prêteur sur gage reçoit une montre, il grave d'ordinaire le numéro du ticket à l'intérieur du boîtier avec la pointe d'un poinçon. Or, il y a au moins 4 de ces numéros visibles sur ce boîtier. Conclusion, votre frère était souvent en basse eau. Mais il avait aussi des périodes de prospérité. Sans cela, il n'aurait jamais pu récupérer cette montre. Regardez-la encore de plus près. Il y a des dizaines de marques autour de l'emplacement de la clé, provoquées par des tâtonnements. Les montres des ivrognes portent toujours des marques pareilles. Ils les remontent le soir et laissent ces traces parce que leur main est incertaine. Vous avez dit que cette montre était tombée en votre possession. Vous ne l'avez pas achetée. Les initiales HW sur le boîtier font penser à votre famille. Si cette montre vous est venue par héritage, comme votre père est mort depuis longtemps, elle ne peut provenir que d'un frère récemment décédé. Où est le mystère dans tout ça? Oh, toutes mes excuses, Holmes. J'aurais dû avoir plus de confiance. Vous m'épatez, Holmes. Merci. Je me sens l'esclave de mes facultés. Je suis fait pour penser, Watson. Le reste de moi est une espèce d'appendice. Toutefois, la jeune femme dont on va avoir la visite nous apportera peut-être un peu d'intérêt. La jeune? Ah, comment saviez-vous que... Élémentaire. Oui, oui, élémentaire, je sais. Je vous demande pardon, messieurs. Je m'appelle Irène Sinclair. Et moi, Sherlock Holmes, le docteur Watson, mon ami et collaborateur. Très heureux, mademoiselle. Merci, docteur Watson. Pardonnez-moi, messieurs, je viens d'avoir la plus grande peur de ma vie. C'est vrai, c'est très intéressant. Enfin, c'est affreux. Mademoiselle, je vous en prie, reposez-vous une minute pour reprendre vos esprits. J'ai lu le récit de vos exploits, monsieur Holmes, mais je pense que vous ne pourrez rien pour moi. Ne vous inquiétez pas si c'est une question. Mademoiselle, exposez-nous votre problème, s'il vous plaît. Sachez que ma profession est une récompense à elle seule. Mes dépenses sont largement couvertes en ce moment. Mon dernier client était un roi de la finance. Mademoiselle, voulez-vous un peu de thé? Vous frissonnez. Pas de froid. Mais de quoi? De peur, docteur Watson. De terreur. Ce papier est arrivé par la poste hier dans la matinée. C'est curieux. ...1857, exactement 30 ans. Ce n'est peut-être pas grand-chose, une farce d'enfant, mais quand mon père l'a ouvert, il a perdu connaissance et il est tombé sur le tapis. Je l'ai aidé à se coucher et il a refusé de me parler de ce papier. Mais le soir, il s'est mis à crier. J'ai couru dans sa chambre. Il se tenait dans un coin, murmurant des mots sans suite à propos d'une malédiction. Il était pitoyable. Alors, j'ai aperçu... Oui? Continuez. Et j'ai aperçu contre la fenêtre à l'extérieur une drôle de chose, un genre de grande croix. Elle tenait la largeur du panneau. Ça m'a semblé trop petit pour un homme, mais je pense que cette chose était réelle. Puis elle a disparu. Monsieur Holmes, en général, je suis réaliste. Et de plus, je ne suis pas superstitieuse. Mais ce que j'ai vu, je l'ai vu. J'ai pleine confiance en votre jugement, mademoiselle. Ah, oh, Dieu merci. Ce matin, monsieur Holmes, je suis allée dans la chambre. Mon père n'y était plus. Ah oui? Mademoiselle, avez-vous une idée de ce que pourrait signifier ce papier? Aucune. Ça me brise le cœur de penser à mon père, tout seul et terrifié, errant dans le brouillard. Docteur Watson, monsieur Holmes, j'espère que vous ne m'abandonnerez pas. Ma chère demoiselle, pourquoi ferions-nous une chose pareille? Mon père s'adonne à l'opium. Ça arrive à des gens très bien. C'est comme ça qu'est parti le peu d'argent que nous avions. Docteur Watson, j'adore mon père. Un mystère s'est produit autrefois dans sa vie et son esprit en est resté affecté. C'est ça aussi qui l'a conduit à fumer de l'opium? Oui, en tout cas, je le crois.
Vous le savez, il y a des établissements dans l'est de Londres où des amateurs peuvent fumer ce poison. C'est exact, mademoiselle. C'est exact. Mais enfin, où trouve-t-il tant d'argent pour s'offrir cela? Il y a un certain major Alistair Rose qui demeure à Maidenhead, dans une maison lugubre appelée Pondicherry Lodge. Il était dans l'armée avec mon père, et quand on est vraiment réduit à nos derniers billets, mon père va le trouver. Et il revient avec de quoi nous dépanner. Voulez-vous m'excuser un moment, mademoiselle? J'aimerais bien examiner de près ce papier. J'ai des produits chimiques qui pourront peut-être nous éclairer sur son origine. Je vous en serais très reconnaissante. J'espère que vous vous sentez plus détendue, mademoiselle. Oui, merci, docteur Watson. Mademoiselle, votre honnêteté, votre courage en face d'une adversité pareille qui devrait vous rendre à moitié folle de peur est admirable, je vous jure. C'est extraordinaire. Mais je ne demande pas à être extraordinaire. Je demande d'être comme toutes les jeunes filles au monde. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Je viens seulement de réaliser que je n'ai pas d'amis. Et je me vois obligée de chercher secours auprès de vous en mendiant votre aide. Et pourtant, jusqu'à présent, enfin en tout cas, j'avais ma fierté. Oh, mademoiselle, vous l'avez encore. Vos yeux sont bons. Lorsqu'ils vous regardent. Docteur Watson, j'ai vu des yeux qui étaient aussi menaçants que des pistolets. Mais les vôtres. Oh, mademoiselle. Appelez-moi John. Et considérez-moi comme votre ami. Mademoiselle. Votre père a servi en Inde. Oui, monsieur Holmes. Et comment le savez-vous? Vous avez mentionné un autre militaire, un major Ross. Et ce papier vient de là-bas, c'est un papyrus. Ma chère, je ne veux pas vous alarmer, mais je crois que nous devons aller tout de suite jeter un coup d'œil à Pondicherry Lodge. Votre père a pu aller quémander quelques fonds à son vieux camarade. Sinon, il faudra que nous le retrouvions. On a juste le temps de prendre le train de 3h27 à Paddington. Pour arriver à Maidenhead avant la nuit. Monsieur Holmes, vous me coupez le souffle. Il va vous dire que c'est élémentaire. Oui, mais ça, ça ne l'est pas. Ma famille semble être entre les griffes d'un impitoyable démon. Comme si elle était poursuivie par un sort. Un sort? Tout à l'heure, vous parliez de malédiction. Pourquoi? Est-ce que vous croyez au surnaturel, monsieur Holmes? Je ne suis pas contre. Quand mon père est revenu des Indes, il n'avait pas d'argent. Il a épousé ma mère, Alice Napper, qui possédait une vraie fortune. Et dès le début, il a joué beaucoup et il a investi stupidement. Et en quelques années, notre fortune avait fondu. Il a fallu aller habiter dans un taudis à Camberwell. Et l'année dernière, ma mère est morte. Oh, je suis vraiment désolé. Comment votre mère est-elle morte? Elle est morte dans un accident. Un accident de chemin de fer, tout près de Crewe. Je suis désolé. Je peux comprendre votre terreur. Pourquoi ça? Ces marques sur ce papyrus sont faites de sang humain. Major?
Major? Que tu fais là? Je range, monsieur le major. Tu es un fouineur, Birdie, tu es un fouineur. Je ne veux pas qu'on m'appelle fouineur, sacré bon. Je ne veux pas qu'on m'appelle fouineur, on dit monsieur. Oui, monsieur. Que ce soit une leçon pour toi. Jamais je ne supporterai ça. Et tu feras quoi? Tu veux retourner chez ta maman, peut-être? Hein? Pardon, monsieur. Bien, c'est mieux comme ça, Birdie. Alors, dis-moi pourquoi tu es venu. Il y a un mendiant à la porte, monsieur. Un mendiant? Eh bien, donne-lui une pièce sur ton argent de poche si tu as pitié de lui. C'est ce que veulent les hommes comme lui. Il dit qu'il a quelque chose de valeur à vous vendre. Il a parlé de bijoux. Eh bien, amène-le. Oui, monsieur. À présent disparaît. Bonjour, maître. Vous êtes étranger dans notre région, je suppose? Je viens d'accoster à Gravesend. Je viens de faire un voyage en Inde. En Inde? Et vous avez quelque chose à me montrer, si j'ai bien compris? Je crois qu'il s'agit de bijoux. Un petit cercueil. Un cercueil? Ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas la boîte, c'est ce qu'il y a dedans. Un Chris? Oui. Vous pouvez parler de chef-d'œuvre. Vous avez un coffre-fort pour le déposer. Pourquoi tenez-vous à le savoir? Non. On n'est jamais trop prudent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Je m'instruis, monsieur. Je regarde autour de moi pour voir comment est meublé le salon d'un homme riche. En fait, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est même assez déplaisant. Si vous n'avez rien à faire que vous asseoir et laisser passer le temps. Comment avez-vous perdu l'usage de vos jambes, si je peux vous le demander? Au diable, votre impertinence! Et vous, comment avez-vous perdu la vôtre? La mienne a été rongée. Par quoi? L'avarice. Plaît-il? La cupidité. C'est ce que c'est, j'en suis certain. Vous êtes malade? Oui. Peut-être que je suis malade ou fou. Peut-être que je ne viens pas pour vendre, mais pour acheter. Acheter quoi? Vous achetez votre vie. Le capitaine Sinclair. Je l'ai fait patienter au salon. Tu es un malin. Tu es un petit malin, c'est vrai. Montre la santé à ce monsieur. Et s'il essaie de revenir, prends un bâton et frappe-le. Bonne journée à vous, monsieur. Dors! Va chercher le capitaine Sinclair. Allez, dépêche-toi. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Vous avez une mine terrible. La malédiction. Je l'ai vue. Une croix monstrueuse contre ma fenêtre. C'était l'opium, mon cher. Vous avez tout imaginé. Non, écoutez. Oh. Bon, laisse-nous. Small est vivant. Quoi? Son morceau de notre pâte, il est arrivé hier par la poste expédiée de Londres.
Si Small est dans le secteur, c'est pas après nous qu'il en a. C'est la pensée du trésor qui a dû le pousser à sortir de son trou pour se manifester. Donnez-le-lui, pour l'amour du ciel. Rien à faire, il est à moi. Il est ici? Dans cette maison? Dans cette chambre. Mais j'ai abandonné mon tiers. Oui, vous avez voulu décharger votre conscience du pesant fardeau qui la torturait. Moi, j'ai veillé sur ce trésor, je l'ai conservé. Pur, inviolé. Complet. Mais vous ne l'utilisez pas, alors pourquoi continuer à le garder? Pour l'avoir près de moi. Sa possession stimule mon énergie. Elle est la seule pensée qui me fasse demeurer dans ce bas monde. Vous savez pourquoi mes jambes ne marchent plus? Parce que je n'en ai plus besoin. Je suis heureux de rester assis dans cette pièce, vide comme un dragon au fond de sa caverne, ici. Nuit et jour, je le surveille, sans le lâcher une minute. Mon cœur est en quelque sorte ivre de sa présence. Je ne veux pas le voir. Vous n'en êtes vraiment pas digne. Mais vous devez le voir, il le faut. Je vous en prie, opposez-le. Je me rappelle la dernière fois que vous l'avez vu, ça remonte loin. Depuis ce jour, il brille de mille feux dans votre souvenir. Et en réalité, vous mourrez d'envie en songeant au moment où vous pourrez à nouveau le contempler. Et c'est aujourd'hui. Je refuse, non. Alors cachez-vous les yeux. Non. Quand je partirai, il sera mis en terre avec moi pour toujours. Vous ne trouvez pas qu'il fera une excellente lampe pour un sépulcre? Parce qu'il brillera même au fond d'une tombe. Ces jolies flammes pour l'éternité, en perpétuant ma mémoire. La mémoire d'un pur héros. Sherlock Holmes, cet original qui écrit des articles curieux dans les journaux. Monsieur Ross, je présume, et le capitaine Sinclair. Je m'appelle Sherlock Holmes. Papa, oh papa, est-ce que tu vas bien? Sherlock Holmes, l'amateur de meurtre? Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à Maidenhead, monsieur Sherlock Holmes? Pourquoi n'êtes-vous pas à Londres? C'est pourtant la métropole du crime, non? Quel accueil. Sinclair, c'est votre fille? Oui, il y a longtemps que nous nous sommes vus. Ah, mais vous avez grandi, mademoiselle. Quel honneur! Il n'est pas entré une seule femme dans cette maison depuis que la mère de ce jeune homme a quitté son emploi. Je vous présente mon serviteur, Bordy Johnson, mais je vous demande de ne pas essayer de lui poser des questions parce que mentalement, il est dans l'état d'une feuille de papier blanc. Est-ce que vous désirez quelque chose, monsieur? Des chaises, pour commencer. On dit qu'une maison est complètement bouleversée dès que vous y entrez, monsieur Holmes. Vous vous mettez sur le champ à deviner et spéculer. Il paraît qu'aucun détail ne vous échappe. Épargnez-nous votre ironie, Major. Votre vie est peut-être en danger. En danger? Comment cela? Calmez-vous, Major Ross. Prenez donc une petite prise. Mais enfin, qui vous a dit que je le prisais? Bien que vous preniez soin d'enlever toute trace de poudre de votre visage avec le mouchoir que vous avez dans la poche de votre robe de chambre, l'ongle de votre index droit, et vous êtes droitier, est incrusté de particules de poudre brune qui ne peuvent provenir que du tabac appelé Maharani et créé par la compagnie de l'Est de l'Inde. Entrez, monsieur Johnson. Le panneau de chêne de cette porte est trop épais pour que vous nous entendiez bien. Allume des bougies, Bordy, pour l'amour du ciel. Il fait si sombre ici qu'on ne pourrait rien distinguer même avec la plus grande loupe. Vous ne m'amusez pas, monsieur. Ni vous non plus. Vous dites que ma vie est en danger? Quelle bonne raison pouvez-vous avoir pour venir jusque chez moi me dire une telle sottise? Peut-être ça. Où l'avez-vous trouvé? Jamais vu? Non. Je crois que vous l'avez vu. Oh, Seigneur. Dites-moi tout ce que vous savez sur ce bout de papier. Mais déduisez-le vous-même, mon cher Holmes. Ou alors c'est trop fort pour vous? Votre pouvoir ne va pas jusque-là? Ne vous faites pas de soucis pour moi, Major. C'est bien inutile. Alors dites-le-moi. Amuser un vieil homme, vous pensez que c'est quoi ce papier, hein? Déduisez, monsieur Holmes. Déduisez, je vous en prie. C'est un curieux pacte.
Vous pouvez voir comme moi qu'il porte une croix. Au temps des premiers chrétiens, ça signifiait un accord secret qui était juré par tous. Celui-ci est assez inhabituel parce qu'il a été écrit avec du sang. Il y a trois empreintes de pouces, toutes les trois faites également avec du sang. L'autre côté du document est un morceau du plan d'un fort qui comporte beaucoup d'entrées. On en distingue environ 50 et on a seulement le centre du fort. Un homme un peu instruit pense immédiatement au grand fort d'Agra, la seule forteresse au monde qui possède 100 portes. En outre, tout le monde sait que vous et Sinclair étiez aux Indes durant la mutinerie. Et dans cette terrible situation, un accord écrit avec votre sang a été juré par trois personnes d'une façon solennelle. Alors, Major Ross, qui était le troisième? Quel était ce pacte? Et le plus important de tout, au cas où votre serment viendrait à être violé, quelle était la malédiction que vous encouriez? Réellement, Monsieur Holmes, si vous aviez vécu il y a 2 ou 3 siècles, on vous aurait brûlé publiquement. Mais avant de poursuivre mes questions, j'aimerais voir votre morceau du plan. Mais enfin, quel morceau? Ne perdons pas de temps, si possible! Tenez. Capitaine Sinclair, le vôtre. C'est plutôt troublant, n'est-ce pas, Watson? Pas très troublant. Maintenant, messieurs, je vous le demande encore. Qui était ce troisième homme? Jonathan Small. Qu'est-ce que vous avez fait là, maudit idiot? Major Ross, je vous en prie, aidez-nous à venir à bout de cette horreur. On ne peut pas être amis. Les amis? J'ai appris à me méfier des amis. Quand j'étais aux Indes, j'ai eu des amis. Une véritable meute de chiens à la curée! Ce chien-là, en tout cas, est encore en vie! Small! C'est Jonathan Small! Alors, s'il est ici, il n'est pas encore mort! Watson, fermez ce registre et venez avec moi! Messieurs, ne laissez personne entrer dans cette chambre! Vite, Watson, cours-lui après! Tout va bien, mademoiselle Sinclair? Oui, je n'ai plus peur. Watson, dépêchez-vous! Oui! Oui, voilà, j'arrive! J'arrive! Watson, j'ai bien peur qu'il ne nous échappe. Irène! Je suis là, papa. Rallume quelques bougies, bandit, pour l'amour du ciel. Ah! Oh, Seigneur! Le sortilège, il est là! La malédiction! Ah! Qui est là? Allez! Oh, Dieu tout-puissant! Sinclair! On ne peut faire confiance à personne! C'est pas possible! Mardi! Où est-il? Qui est là? Sinclair! Pensant! Qui est là? Sinclair! Où êtes-vous? Il me surveillait depuis longtemps, sans se montrer! Il connaît la cachette! Vous n'aurez pas mon trésor! Il m'appartient! Il est à moi! À moi! Deux heures plus tard. On va encore attendre longtemps? Holmes a fait appeler l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Il faut que nous lui racontions ce que nous savons tous sur ce terrible meurtre. Ensuite, nous irons à Londres et nous chercherons votre père. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Et moi aussi. Inspecteur Lestrade, voici ma cliente, mademoiselle Sinclair. Enchantée, mademoiselle. Watson? Une pénible affaire, ça. Ah, une pénible affaire. Nous allons faire notre enquête aussi rapidement que ce sera possible, je vous le promets. Et ensuite, vous pourrez quitter cet endroit sinistre. À votre disposition, inspecteur. Pas très accueillant. Épargnez-moi vos commentaires, Hopkins. Bon, il s'agit du major Alistair Ross. J'espère que vous avez pensé à ne toucher à rien, Holmes.
Je crois que ce ne serait pas sage de rentrer chez vous. Je vous suggère de venir plutôt avec nous deux à Baker Street pour la nuit. Voilà une magnifique idée. Je lui laisserai ma chambre et je dormirai dans la salle de séjour. Non, ne vous dérangez pas, monsieur. Je veux seulement retrouver mon père. Est-ce que vous avez la moindre idée de l'endroit où il a pu aller? Oui. J'ai bien peur qu'il ne soit allé à Limehouse. Fumer de l'opium. Mon travail m'a conduit là-bas à plusieurs reprises et j'y ai quelques amis qui ne pourront pas refuser de m'aider. J'ai examiné la pièce et le corps de la victime avec ce que vous m'avez dit s'être passé au moment où le fantôme est apparu. Il me semble que tout est très simple. Ah oui? Oui, ce drame a tout l'air d'une vengeance et l'histoire du mauvais sort vous a suggestionné. Quand Small s'est montré à la fenêtre, il a effrayé tout le monde et ça a été encore pire quand la pièce est devenue sombre et c'est l'éclair à travers les branches tordues et décharnées de cet arbre qui, vu de l'intérieur de la pièce, vous a fait croire à une apparition. Autre chose, ce monsieur Ross était malade, bien malade à en juger par sa chaise roulante. Et il n'y a pas de blessure sur le corps. Alors, il est presque certain qu'il a succombé à une attaque cardiaque. J'ai bien peur que vous ayez tous été victimes d'une véritable hallucination provoquée par les branches de cet arbre qui remuait. Laissez-moi vous féliciter. Merci. Vous avez oublié les détails d'une certaine importance. Je vous demande pardon. Commençons par la victime. Vous n'avez pas remarqué les deux marques minuscules mais très visibles de chaque côté de son cou? Je les ai remarquées. Il se rasait mal et il s'était coupé. Pas du tout. Ce n'était pas son rasoir. C'est quoi ça? Une épine? Une épine, oui. Probablement enduite de poison. De poison? Exactement. Qu'est-ce que vous me dites là? Il s'agit d'un meurtre, Lestrade, il s'agit d'un meurtre. Watson, vous voulez mettre votre main sur le bras de ce pauvre homme. Tâtez-le bien. Ses muscles sont aussi durs que du bois. Ils sont en pleine contraction. C'est très différent de la rigueur mortis. Oui, je crois. En rapprochant ça de la distorsion du visage, qu'est-ce que ça peut vous suggérer? Le décès a été provoqué sans doute par une variété d'alcaloïdes. Une substance comme la strychnine l'aurait plutôt tétanisé. Excellent. Vous êtes vraiment irremplaçable. Maintenant, examinez cette épine. Hopkins? C'est une épine de chez nous. Je ne suis pas un expert en ce genre de choses, Holmes. Oh, non. Bon. Très peu de temps après que Small soit apparu à la fenêtre, Watson et moi l'avons vu repartir dans la voiture qui nous avait amenés ici. Et d'après nos observations, au moment précis du meurtre. Il n'a donc pas pu commettre ce crime. Ça me semble une très bonne conclusion. Continuez. D'abord, il a fallu entrer dans la pièce où Johnson gardait la porte et le vasistas était fermé et crocheté. Oui, je l'ai fermé moi-même. C'est vrai? Oui. Même ouvert, le vasistas est trop petit pour laisser passer un homme. Merci, mademoiselle Sinclair. Alors, regardez ici. On voit des empreintes de pieds nus. Des empreintes nettes, bien définies, parfaitement formées. Mais elles sont moitié moins grandes que celles d'un homme moyen. Mon Dieu, Holmes, vous pensez qu'un enfant a pu commettre une chose pareille? Mon cher Lestrade, avec tous ces détails, vous devriez être capable d'achever le raisonnement commencé. Des marques de petits pieds, sans chaussures, une grande agilité, épines empoisonnées. Ça ne vous dit rien? Eh bien, c'est un sauvage. Superbe, Watson. C'est un Indien qui a pu faire équipe avec Small durant la mutinerie. Un sauvage, sans doute, mais pas un Indien. Je crois que ces fléchettes peuvent être lancées seulement que d'une façon, avec une petite sarbacane. Alors, Lestrade, d'où peut bien venir notre sauvage? Comment je le devinerai, moi? Des îles Andamans, mon cher, un archipel assez proche de la Birmanie, dans le golfe du Bengale. Ah. Les indigènes des îles Andamans figurent parmi les plus petites races de notre planète. Et il se trouve que les îles Andamans abritent la plus grande de nos prisons des Indes. Small a passé sa vie là-bas depuis la mutinerie. Il est probablement devenu ami avec un de ses pygmées qui l'a ensuite aidé à s'enfuir de cet horrible endroit. Mais c'est remarquable. Pas remarquable, élémentaire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est leur mobile. Notre pygmée portait sur lui quelque chose de relativement lourd quand il a quitté la pièce. Ses empreintes dans la terre meuble du jardin présentent des différences importantes. Celles qu'il a faites en partant sont plus profondes. Et ce fauteuil comporte sans doute une cachette. Bon raisonnement. Mais elle est vide. Tout ça devrait vous sembler évident si vous vous serviez de vos deux yeux. Alors, je vais examiner cette chaise. Alors, et maintenant? Je sais pas quoi faire. Parce qu'une chose vous échappe, l'indice pourtant le plus évident, c'est le pacte. Deux pieds qui commandent un fort aux Indes signent un pacte de mort pour sceller un accord très important avec un nommé Small. Les dimensions et le poids de ce qui a été volé ici dans ce fauteuil conduisent à la conclusion qu'ils avaient sans doute dérobé un fabuleux trésor. Small les a aidés à le mettre en sécurité et ils l'ont bien laissé tomber.
Mais tout ça, c'est de la pure théorie. C'est la seule hypothèse qui puisse expliquer ce qui se passe. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Ce meurtre ne peut pas avoir été commis sans une aide à l'intérieur de la maison. Il y a deux piqûres sur le cou de Ross, mais une seule fléchette. Quelqu'un de la maison a ouvert le vasistas à l'assassin et a ensuite retiré la deuxième fléchette. J'ai compris. J'ai compris. Le domestique, c'est évident. Johnson, il n'y avait que lui. Vous pensez au serviteur du major, c'est ça, Lestrade? Ou à son père? Oh, Seigneur! Il n'y a aucune raison pour que Sinclair et ce Small n'aient pas formé une alliance secrète pour se venger du mauvais comportement de Ross et récupérer pour eux le trésor. Si vous voyez juste, jamais je n'accepterai que ce trésor demeure dans la famille, après les drames qu'il a causés. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ce trésor appartient à la couronne. Oui, mais où est-il? C'est Small qui le détient. J'aimerais bien le voir. J'aimerais voir cette horreur qui a gâché la vie de tout le monde autour de moi. Je vous assure, mademoiselle, que quand on l'aura, vous pourrez le contempler durant toute une journée. Je m'inquiète beaucoup pour mon père. Alors on va repartir pour Baker Street tout de suite. Venez, Lestrade, on a du travail devant nous. Il faut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là à Agra. Quel était cet accord? Pourquoi la formule du serment a été laissée sur le mort? Moi, j'aimerais être sûr d'une chose. Est-ce que oui ou non, Watson a bien fermé le vasistas? Toute votre théorie sur la présence d'un complice dans la maison repose sur ce point. C'est tout à fait certain. Le docteur Watson est un homme de parole. S'il dit qu'il a fermé la fenêtre, c'est qu'il l'a fait. Il n'est pas un débile mental comme certains membres de la police de sa gracieuse majesté. Hopkins! Oh, mademoiselle, restez une minute, s'il vous plaît. Pourquoi, docteur Watson? J'aimerais que vous m'appeliez John. Oui, John. Voilà, n'ayez aucun souci d'argent, pensons au futur. J'espère que vous me faites confiance. J'aimerais beaucoup que vous me permettiez de vous aider. C'est vrai. Je sais que moi, je suis un vieux campagnard. Je ne sais plus comment vous le dire. Je suis intimidé. Oh, vous êtes très gentil. Il y a autre chose. J'aimerais... Oh, John. Quelle formidable journée. Tomber dans la vie l'un de l'autre avec toute la violence d'un ouragan. Je ne comprends rien à ce que je ressens brusquement, mais je vous dois à vous et à M. Holmes ma sécurité et ma vie. Vous faites preuve d'une telle délicatesse, j'avoue. J'avoue qu'on s'entend bien. Oh. Watson, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, c'est vrai, oui, vous avez raison, on s'entend bien tous les deux, très très bien. Bon, il faut qu'on s'en aille. Un ennui? L'exemplaire du serment. Holmes dit que c'est le plus important de tout. Je l'emporte avec moi ou non? Non. Laissez-le là. Il ne faut pas l'emporter. Bien. La nuit suivante. Où je suis, moi? Vous êtes à côté de la porte du sans-douleur, capitaine Sinclair. Et quelle heure est-il? Pour répondre à votre question, il est plus de minuit. Et pour répondre à vos besoins, c'est l'heure de fumer une autre pipe. Quand suis-je arrivé ici? Dans la soirée d'hier. C'est dur de conserver la notion du temps quand on est ici.
Il y a bien longtemps, j'avais une femme avec moi. Et à présent, elle est morte. Mes amis disent que je l'ai tuée parce que j'ai abusé de l'opium. Et moi aussi, j'ai tué ma femme en fumant trop d'opium. Ma femme était une gentille femme. Oh, alors ce n'était pas comme Madame Fontaine. Elle venait des collines, elle était sale, elle sentait mauvais, avec un cloître. Eh bien, qu'elle ait bénéficié d'une excellente santé, elle avait découvert le secret pour être perpétuellement de mauvaise humeur. À cette époque, j'avais une petite boutique à Calcutta. Une nuit, oui, c'était une nuit, à ce qu'on m'a dit, je l'ai bourrée de piment et je suis allé la pendre à une poutre du plafond de ma mosquée. Un meurtre à la manière des Indiens. Un homme n'a pas besoin de femme s'il est marié avec l'opium. Je ne suis pas mort par hasard. Pour quelle raison parlez-vous de mort? Je veux mourir ici. Pourquoi ça? Je veux rejoindre mon vieil ami, le Major Ross. Il est mort hier soir. Un ange doit venir pour moi. Il me cherche et je l'accompagnerai. Est-ce que c'est cet ange qui doit venir pour vous? Papa, depuis quand es-tu ici? Il faudra accrocher un rideau bien épais à la fenêtre de ma chambre pour boucher la vue à l'œil du diable. Oui, on le fera, ne t'inquiète pas. Viens, allez, on rentre à Camberwell. Je ne peux pas. Je commence une pipe. Quand je l'aurai fini, les dragons arriveront et ils m'emmèneront. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cercueil pour moi. Je l'ai apporté jusqu'ici avec moi quand j'ai quitté la Chine, mon vieux pays. Quand je mourrai, j'espère qu'il repartira pour la Chine avec moi et quelques bouffées de fumée bien noires à l'intérieur au cas où j'en ai encore envie pendant le voyage. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'en sais rien. Holmes nous a recommandé de l'attendre ici. Cette fumée peut être faite par la police et vous serez alors envoyé en prison. Ma pipe s'est éteinte. Je vous la rallume. Oh, je vous en prie, il est déjà à moitié fou. Pour l'amour du ciel, monsieur, aidez-nous à emmener ce pauvre homme d'ici. C'est bien le moins que je puisse faire pour vous, mon cher Watson. Oh, et le moins, oui. Holmes, n'élevez pas la voix. Mais comment êtes-vous ici? Le vrai Fung Chin est un vieil ami à moi. Écoutez-moi attentivement. L'estrade et la police surveillent toutes les rues. Ce passage conduit jusqu'à un quai. Il y a un policier en faction. J'ai appris que Jonathan Small fouille toutes les fumeries d'opium. Quand il arrivera ici, je l'attendrai. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Emmenez mademoiselle au premier étage de l'infâme gargote qui est en face de cette boîte. Mais ne mangez rien, surtout, et ne revenez pas par ici jusqu'à ce que je vous le dise. Je ne veux pas de distraction. Ah. Docteur Watson, John, je vous en prie, regardez-le, il respire à peine. Avez-vous demandé à Walidad s'il avait pu faire le nécessaire? Et doucement, doucement, capitaine. L'Inde est très loin. Elle est à un mois de navigation. J'ai servi là-bas, moi aussi. C'est ce qui m'a valu cette patte folle. Une balle d'un rebelle. Il va s'en tirer, docteur? Eh oui. Ça ferait comme une rose dans quelques heures. Eh. Papa. C'est dangereux si tu restes ici. Il faut que tu viennes à la maison avec nous. Oh non, ma chérie. J'ai peur de me faire tuer si je quitte cet endroit. Papa, je t'en prie, allons. Si j'ai le moyen d'atteindre le paradis avec une pipe, comment peux-tu en être jalouse? Tu mens. Tu n'as pas l'air d'être au paradis. Et tu donnes plutôt l'impression d'être une espèce de jouet cassé. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Tiens, fume à en mourir. Ma chérie, vous vous sentez bien? Je ne lui ai jamais parlé de cette manière. Bah, vous êtes complètement à bout de nerfs. Ne vous inquiétez pas pour lui. Il ne peut rien lui arriver. Holmes veille sur lui. Comment ça? Mais venez avec moi. On va essayer de se faire servir une bonne tasse de thé dans cette gargote. Et je vous expliquerai tout. Ma femme, elle est morte à minuit pendant mon absence. Vous étiez sur le point de me raconter toute l'histoire de ce morceau de papier. Ma pipe s'est éteinte. Reprenez votre récit et je vous la rallume tout de suite. Un chinois! Oh, sacré bon, ça tout va bien, monsieur Birdie. Je suis là. Depuis combien de temps? Vous avez ramené le capitaine ici hier dans la soirée? Oh, seigneur. Comment je peux lui dire ça?
Comment je pourrais la regarder? Il faut que j'aille voir ma mère, tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Cachez-le dans le fort. Entre le souk des armuriers et le bas du passage des celliers, tout près de la mosquée de Wazir Khan. J'ai un plan sur moi. Ça, c'est Agra et le grand fort. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là au fort d'Agra? Il nous a maudits. Pourquoi il vous a maudits? Il a dit que si on manquait à notre... Halt! Halt! Pour l'amour de Dieu! Holmes. Holmes. Venez près du feu et réchauffez-vous les mains. Je vais vous préparer une pipe. Je ne veux pas de votre saleté de poison, merci bien. Où est monsieur Sherlock Holmes? Vous l'avez drogué? Je fais boucler tout de suite cet antre de perdition. Vous n'avez aucun petit vice, inspecteur Lestrade? Pour un oriental, je vous trouve bien impertinent. Non, je n'ai aucun petit vice. Je regrette, monsieur. Un grand vice dans la vie d'un homme ne laisse pas de place pour de petits vices. Je veux parler de votre stupidité. Comment osez-vous? Mais enfin, inspecteur, vous ne voyez pas que j'essaye d'amener Sinclair à parler? Ah, vous m'avez bien eu, surtout votre voix. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je viens de résoudre cette affaire. Je sais qui a ouvert à Small. Regardez ça. Une déclaration signée par la mère de Birdie Johnson. Il y a plusieurs années de ça, elle a dérobé chez Ross des plats et des couverts en argent. Alors il l'a forcé à rédiger une confession qu'il a envoyée à son avocat avec mission de la remettre à la police, au cas où, dans les mois qui suivraient, il serait victime d'un crime. Ça, jamais Birdie Johnson ne l'avait accepté. Il le détestait. C'est lui qui a ouvert la fenêtre et permis le meurtre de Ross. C'est lui qui a été le complice de Small dans cette triste affaire. Après tant d'années, il a fini par se décider. Non! C'est... Aujourd'hui, c'est trop tard! C'est trop tard! Depuis quand il est con? Alors, inspecteur, vous allez le laisser s'échapper? Rattrapez-le! Oui, bien sûr. Holmes! 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 Oh, venez vite avec moi au café. Je crois que Irène a été empoisonnée. Empoisonnée? Lestrade! Lestrade, pourquoi restez-vous planté là? Oui. Oui! Bon, restez ici avec Sinclair, moi je vais voir sa fille. Mais Holmes, c'est... Restez minute, attendez, ici! Attendez. Rattrapez-le, mon brave, rattrapez-le. Payez-vous! Suivez-moi! Alice, la mère d'Irène, est morte de mort violente. Je me suis arrangé pour la bourrée de piment. Capitaine, je croyais que vous étiez endormi. Personne ne va donc rallumer ma pipe. Pourquoi vous n'allez pas dormir? La lune s'est cachée maintenant. Des caravanes arrivent du désert et d'autres caravanes y retournent. Des centaines de lumières brillent là-bas sur le chemin de la passe. Non. Non. Attendez. Tout est silencieux. Et moi, je vais pouvoir rêver.
Venez avec moi. Où allons-nous? Nous allons à l'entrée. L'entrée qui mène au vieux quartier. Il faut intercepter Small quand il se montrera avant qu'il n'ait pu aller cacher le trésor. Et nous le ferons mettre en prison pour les meurtres de Walidad et de Dorganos. Il ira passer le reste de sa vie au pénitencier des îles Andaman. Oh non! Seul tous les deux, je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Au revoir, Sinclair. Allez, attendez, ne partez pas. Je vous en prie. Dites-moi quel effet ça fait d'être mort. Eh bien, au fond, c'est très amusant de se trouver d'une certaine façon au-dessus de la mêlée. J'aime assez. Ross. C'est le salaire du péché. Rendez-moi un service, rallumez ma pipe et tuez-moi. Oui, avec plaisir, capitaine. Alors je vais me recoucher et regarder le dragon d'or et le dragon rouge se livrer encore leur bataille éternelle. Pendant la nuit et pendant le jour. Et même pendant la nuit suivante, je vais dormir. Et l'opium me rendra le maître de mes rêves. Allez-y. Une bonne et grosse bouffée. Une bouffée qui va jusqu'au fond de l'âme, en supposant qu'on est une âme. Tenez. Et couvrez-moi. J'ai froid. Le diable ait pitié de vous, capitaine. Oui, dépêchez-vous. J'avoue que je me suis laissé surprendre. Je crains le pire. Comment elle va? Droguée. La théière était encore sur la table. Le thé a été drogué avec une certaine quantité d'opium. Elle sera sur pied d'ici quelques heures. Vous avez attrapé Johnson? Non. Non, il s'est enfui. Il court vite, vous savez, très vite. Mais soyez tranquille, j'ai envoyé après lui tous mes hommes. Tous vos hommes, y compris celui qui surveillait le port? Oui. Oh. Mais Watson y était, non? Si vous aviez pris le temps de regarder, vous auriez vu que Watson est inconscient, drogué sans aucun doute par le même pot de thé. Bah, il n'est quand même pas mort. Il va recouvrer ses esprits dans quelques instants. L'assassin a eu tout le temps. En droguant Irène, il s'est ménagé une excellente diversion qui lui a permis de venir jusqu'ici et d'assassiner Sinclair. Sinclair est mort? Voyez-vous-même, regardez. Oh, c'est vraiment affreux, Holmes, il faut l'avouer. Oh, mais il est sous notre nez, pour ainsi dire. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va mieux? Oui, oh, je crois. Mon Dieu, je me suis endormi. C'est l'assassin qui a mis de l'opium dans le thé que vous avez bu. Irène. Une expérience désagréable pour une jeune fille, mais sans conséquences graves. Alors?
Alors, Holmes, vous faites erreur, j'en ai bien peur. Aucune trace de violence sur Sinclair, pas de blessure ni de marque de coup quelconque. Non, notre meurtrier ne l'a pas tué. Encore ? J'aimerais comprendre. Pourquoi ces hommes tremblent-ils tous devant un simple morceau de papier ? Holmes, il y a les mêmes symptômes que chez Ross. Hein ? Une épine encore. Celle-ci était insérée dans le tuyau de sa pipe. Une aspiration et elle est venue dans sa bouche. Ah. Watson, emmenez Mademoiselle Sinclair sur le quai et trouvez un policier pour la raccompagner chez moi. Lestrade, il n'y a pas une minute à perdre, d'accord? Venez avec moi. Oui, mais où allons-nous? Puis-je vous rappeler, mon cher, que Small a maintenant fini son travail? Mon Dieu, oui, et le trésor? Oui, commandez votre canot et dites-lui de nous prendre au quai dans 15 minutes. Small doit sans doute avoir déjà quitté le quai, mais avec votre canot rapide, on a encore une chance. Oh, du calme, du calme. Papa. Papa. Oui, je suis là. Papa, je t'en prie. Oui. Je crois que j'ai tombé amoureuse. C'est très bien. Pendant que j'étais absent. Oui, c'est ça. Et ça a été très rapide, si je comprends bien. Oui, et aussi agréable que rapide. Il mérite d'être aimé. Il est gentil. Très gentil. La gentillesse est tellement rare. Oui, tu as raison, elle est rare. Et on la trouve parfois quand on ne l'attend pas. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle John. John. Ma chérie. Sur nous, Holmes. Je ne vois rien dans cette purée de poids. On ne le retrouvera jamais. Il faut qu'on l'attrape. Poussez la vapeur, chauffeur. Même si la chaudière explose, on doit le rattraper. Pilote, attention avec ce courant de ne pas dévier de notre cap. Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest, viens, monsieur. Small a une seule chance d'emporter le trésor, c'est de quitter ce pays. Il faut le rattraper avant qu'il ait embarqué à bord de son bateau. Oui, mais comment êtes-vous certain qu'il repartira par mer? Lestrade, nous sommes une nation de marins, enfin. Mais comment savez-vous dans quel port il embarquera et sur quel bateau? Pendant que le vrai Fung Chin veillait sur Sinclair, j'ai fait un saut à Gravesend, le plus pauvre de nos ports. Un petit billet bien placé permet d'obtenir aisément tous les renseignements qu'on veut. La plupart des gens se rappellent facilement un infirme qui voyage avec un pygmée. Ils ont tenu un passage sur un schooner appelé le Gloria Scott, dans le port de Greenwich. Finir mon travail. Allez-vous-en.
attention! Allez-y, tirez! La vie n'a plus de signification pour moi. Que la mer fasse disparaître ce funeste poison. Bien joué. Ne le lâchez pas. Hopkins, accostez, s'il vous plaît. Bien, inspecteur, on accoste le bateau. Envoyez la mare. Allons, vite. Vous me suivez, Hopkins? Oui, chef. Très bien. Jonathan Small, je vous arrête pour le meurtre avec préméditation d'Alistair Ross et de Neville Sinclair. Oui, je reconnais que je suis responsable de leur mort à tous les deux. Dites-moi une seule chose. Est-ce qu'il a coulé? Le coffret est au fond de l'eau. Oui, il est au fond. Qui êtes-vous? Je suis Sherlock Holmes. Ah, oui, l'homme qui devine tout. Je savais que ce n'était pas lui. Vous avez bien monté votre coup, monsieur Holmes. Je vous ferai le même compliment, monsieur Small. Voudriez-vous répondre à deux ou trois questions? Oui. J'ai mal laissé en Morin un récit précis de ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un vulgaire coupe-jarret. Qui a été votre complice? Tonga. Le pygmée. Ouais. Il m'a aidé à m'échapper de la prison des îles. C'était un brave garçon. Je ne pouvais pas tuer Ross avant de savoir où était le trésor. Tonga s'est installé dans l'arbre. Il a surveillé Ross pour découvrir sa cachette. Ensuite, je vous ai entraîné hors de la chambre. Et Tonga a eu le champ libre. Mais qui l'a aidé à entrer? Qui a ouvert le vasistas et récupéré la fléchette? Personne. Ce n'était pas la peine. Comment ça? Vous n'aviez aucun complice à l'intérieur de la maison? Mais non, bien sûr que non. Pourtant, quelqu'un a ouvert. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Et la malédiction? Celui qui violerait son serment mourrait par la main d'un des autres. Et son exemplaire du pacte serait placé sur sa poitrine après son meurtre. C'est pour ça que vous avez mis celui de Sinclair sur le mort? Mais pas du tout. Comment ça? Non. Il a tourné les yeux, il est mort. Le papier était par terre, tout près de lui. Vous n'avez pas commis ce crime? Non. Non, je le jure. Mais Seigneur Dieu Small, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il s'est poignardé. Ma tâche est achevée et je suis en paix. Oui, mon morceau du pacte, vous l'avez sur vous. Oui. Donnez-le-moi, monsieur Holmes. Pour mourir en le tenant comme les deux autres. Une trinité d'hommes stupides. Des fous qui se sont unis par le sang. Que Dieu ait son âme. Voilà. Il m'a dit ce qu'il savait, mais... ça ne suffit pas, il y a encore autre chose. Oui, autre chose. Johnson? Où est Holmes? Il n'est pas ici. Je pense qu'ils ne vont pas tarder. C'est bien comme ça. C'est à vous que je voulais parler, mademoiselle. Ah, oui. À quel sujet? En deux mots, aidez-moi. À quoi? Pas ici, mademoiselle. La police peut arriver. Elle doit me chercher. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais que vous veniez avec moi dans une des pièces de derrière, pour être tranquille.
Excusez-moi une minute, messieurs. Je voudrais aller voir Mademoiselle Sinclair. Holmes, vous n'avez pas à dire. On n'a plus qu'à arrêter Johnson et l'enquête est terminée. Ah oui. Il me semble que tout a été trop simple pour nous. Je ne suis pas encore arrivé à une conclusion satisfaisante. J'y suis arrivé. Et toutes les preuves la confirment. Regardez les faits, Holmes. Johnson était présent aux deux meurtres. Il a ouvert la fenêtre de la maison pour aider le Big Bang. Il a détourné la police de la fumée de l'opium pour aider Sproul. Cette fois, vous êtes obligé d'admettre que c'est moi qui ai de l'avance sur vous, même si ça froisse votre orgueil. Quel était ce bruit? Oh, c'était le cocorico de victoire de notre ami l'inspecteur. Comment va Mademoiselle Sinclair? Oh, elle s'est endormie. J'avoue que je me sens assez nerveux. Ce pauvre garçon m'a impressionné avec son récit. Small, pourquoi ça? Il m'a semblé qu'il nous disait tout. Ah oui. Oui. Bon, ils attendent nos déclarations à Scotland Yard. Watson peut rester ici avec le coffret. Oui, je suppose qu'il ne risque rien dans la maison du roi des détectives. Irène, vous êtes bonne. Mais cette robe... Merci, docteur. Elle me vient de ma pauvre mère. Je l'avais mise de côté pour une grande occasion. Comment ça? C'en est une. Mais ma chère, est-ce que vous vous sentiez d'aplomb? L'opium a pu... Je me sens tout à fait d'aplomb, John. Ouvrez-le. Irène... J'aimerais vous dire quelque chose à propos de votre père. Ouvrez d'abord le coffret. Pourquoi pas? On a vu assez d'horreur au cours de cette soirée. Renversez le coffret sur le tapis. J'aimerais les voir briller de tout leur feu. Oh. Oh. Regardez, c'est merveilleux. Posez-la. Gardiez cette robe pour une grande occasion. Pour quelle occasion? Pour un rêve qui devient réalité. Non, ne vous réjouissez pas. Il faut vous le dire. Ma chère, votre père est mort. C'est justement là la grande occasion. Pardon? Mais vous ne savez plus ce que vous dites. Vous devriez vous allonger un moment. Vous me croyez malade? Trop d'émotions pour une pauvre jeune fille. Oh, John. Au moment même où j'ai franchi cette porte et où je vous ai regardé dans les yeux, j'ai su que j'allais réussir. Réussir quoi? À vous persuader, vous et Monsieur Holmes, de m'aider à reprendre ce qui m'appartenait. Est-ce que je rêve? Ça va vous réveiller. Oui. J'ai ouvert le vasistas à Pondichéry Lodge. J'ai retiré la deuxième épine du cou du Major Ross et je l'ai mise dans la pipe de mon père. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais peur de me piquer la main et de tomber raide. Mais malgré tout, je savais que rien ne m'empêcherait d'aller au bout. Et maintenant, je vais vous tuer à votre tour. Et reprendre enfin ce qui est à moi. Mais vous êtes une misérable. Vous ne pourrez jamais réussir.
Vous croyez que quand Holmes reviendra et trouvera mon cadavre, il ne devinera pas ce qui s'est passé? Je crois que non. Birdy Johnson a eu la gentillesse de venir il y a une demi-heure et j'ai pris la liberté de l'assassiner. Il est dans l'autre pièce. Et quand la police arrivera, voilà comment elle verra les choses. Johnson a pénétré dans le bâtiment pour essayer de voler le trésor. Vous vous êtes battu. Vous l'avez poignardé, mais il vous a tué. Quelqu'un a entendu tirer et n'a pas hésité à voler le coffre, plein de bijoux. Et qu'est devenue la pauvre jeune femme? Elle s'est évanouie dans le brouillard, rendue malade par la triste fin de son père. Et le destin non moins terrible et sinistre de son amant. Mais c'est horrible. Mais vous, vous êtes tellement gentil. Vous avez été mon meilleur allié. Je n'aurais pu réussir sans vous, John. Oui. Vous avez réussi. Et avec mon aide, et vous avez fait de moi un pantin aussi ignoble que vous-même. Oh. Si votre contact doit être aussi fatal pour moi que pour les autres, donnez-moi un dernier baiser avec toute votre profonde haine. Et laissez-moi mourir. Monsieur Holmes, vous êtes seul? Oui. Lestrade se charge du transport du nouveau mort. Qui est mort? Small. Small est mort? Alors le destin m'est favorable en ce moment pour changer. Mais dites-moi pourquoi vous êtes venu? Mon poignard. Vous avez pris mon poignard sur la cheminée. C'est exact. Johnson m'avait vu ouvrir la fenêtre à Pondichéry Lodge. Vous avez tué le pauvre Johnson. Et Watson aussi. Vous n'avez pas l'air trop chagriné. Oh, c'est que vous me terrorisez, mademoiselle. Je ne pense pas à autre chose. Je croyais que vous saviez tout, monsieur Holmes. Mais dites-moi, le fait d'avoir pris votre poignard n'a pas été votre seul motif de me soupçonner? Non. Non, ça a été plutôt un catalyseur. Quand on a fini d'éliminer l'impossible, ce qui demeure, même si ça semble improbable, est forcément exact. Vous n'étiez pas seul dans la pièce quand Ross a été tué, mais vous êtes la seule qui ayez pu tuer aussi votre père, si Small n'a pas raconté l'histoire. J'ai mis l'épine dans le tuyau de la pipe juste sous votre nez. Mais vous étiez trop occupé à parader avec votre costume de chinois. Où ai-je commis une erreur? C'est le pacte. Vous n'auriez pas dû le poser sur votre père. Small se sentait responsable de la mort de votre père, mais il m'a juré qu'il n'avait pas mis le papier sur son cadavre. Bon. La perfection n'est pas de ce monde. Vous n'en étiez pas loin. Et pourquoi m'avez-vous demandé mon aide? Quand le papier est arrivé par la poste, mon père m'a raconté toute l'histoire. Et j'ai réalisé que cette fortune en bijoux était aux mains de trois hommes complètement malades. Je n'étais pas de taille à affronter les hommes, alors j'ai pris contact avec un grand détective. Et j'ai pensé que, en le laissant trouver le trésor pour moi, pendant que je l'aiderai de mon mieux, j'éviterai la malédiction. Et aujourd'hui, c'est fini. Et un seul homme se dresse encore entre ce prodigieux trésor et moi. Et j'ai un revolver. Faites feu. Allez-y, mademoiselle Sinclair, je vous en prie. Tuez-moi. J'avais fait une autre erreur capitale.
C'est Watson qui a apporté ce revolver. Il s'en sert pour donner le départ des courses. Il est chargé de cartouches à blanc. Med. Il a tourné de l'œil. C'est compréhensible étant donné les circonstances. Watson! Allons, Watson! Debout, mon vieux! Debout! Allez! Seigneur! Oh, mon Dieu! Mais vous vous êtes coupé! Oh, maintenant! Oh, je suis navré, j'ai sali votre beau tapis. Oh là là, quel coup! Alors, monsieur Holmes, mes sincères félicitations. J'attends vos instructions. Rien pour l'instant. Lestrade va revenir d'ici quelques minutes. Il se chargera de vous. Est-ce qu'une prisonnière a le droit d'exprimer un dernier vœu? Que voulez-vous? Laissez-moi porter un bijou. Jusqu'à ce que l'inspecteur Lestrade arrive. Pourquoi pas? Merci, monsieur Holmes. Je suis contente. Je dois dire que vous sortez de l'ordinaire, mademoiselle. C'est tout naturel. La vengeance est une réaction normale. La vengeance contre votre père? Il a tué ma mère. Avec un pistolet, un poignard, une piqûre? Avec son égoïsme, l'opium et tous les tourments qui accompagnent le dernier stade de l'assujettissement à la drogue. La nature elle-même finit par devenir un bourreau. Elle torture le malheureux, elle enflamme ses veines, mord et tord le moindre de ses nerfs. Elle fait brûler sa pauvre tête et ne laisse aucun répit à son imagination hallucinée. Ma mère, de désespoir, a fini par se jeter sous un train. Oh. Ce n'est pas naturel de se venger de tout ce mal. La discussion est close. Ah, voilà l'inspecteur, le comique de la troupe. Tiens, tiens. On n'aurait jamais cru ça. Holmes, comment avez-vous... Oh, peu importe, on verra plus tard. Hopkins? Inspecteur. Mettez les bijoux dans le coffret. Oh, il y en a pour... Gardez vos remarques pour vous, sergent Hopkins. Alors, nous avons le trésor. Nous avons la meurtrière. Et en plus, nous avons... ceci de Buckingham Palace. Sa Majesté la Reine Victoria, impératrice des Indes, donnera audience à l'inspecteur Lestrade à 10h demain matin pour lui adresser les remerciements personnels et recevoir en même temps de ses mains le fabuleux trésor d'Agra. Mes félicitations. Oh, merci, Alf, merci. J'aurai plaisir à informer Sa Majesté de votre précieuse collaboration dans cette affaire. Bien, à nous, jeune fille. Il y a un autre mort dans la pièce voisine, Birdie Johnson. Hopkins. Holmes, qu'est-ce que je mets dans mon rapport? Je vous expliquerai tout au commissariat, inspecteur. Vous pourrez prendre des notes. Et quand vous verrez la reine demain matin, recommandez-lui bien d'être très prudente. Comment ça? Le trésor apporte la malédiction. Il a déjà détruit tous ceux qui se sont risqués à le toucher. Depuis que le lépreux l'a apporté dans le fort d'Agra. Quoi? Vous croyez qu'il peut nuire à Sa Majesté et détruire l'Empire britannique lui-même? Remettez-le à la reine et vous verrez. Qu'elle était belle. Oui, belle affaire d'année un homme. Mon cher ami, nous ne pouvons plus rien faire pour cette jeune fille. Un jour, mettez ça par écrit. Pour le moment, je prends mon violon. Essayons d'oublier pour une demi-heure la malheureuse destinée qui est celle des hommes. Dieu merci, cette longue nuit est terminée. Je ne crois pas que je vais en passer une autre. À Baker Street.
Hudson, restez, allons. Je suis perdu sans mon collaborateur. Mon ami. Ouvrez. Excusez-moi, messieurs. Je me présente au capitaine Mordecai Smith. Monsieur Sherlock Holmes? Oui. Et voici mon meilleur ami et collaborateur, le docteur Watson. Vous avez eu une crise d'eczéma, capitaine Smith. Et vous êtes arrivé de Sumatra par bateau sur le quai numéro 3 à 7h47. Oui, mais comment pouvez-vous... Sans importance. Vous devriez vous expliquer, vous êtes visiblement terrifié. Terrifié? Oui, monsieur Holmes. Mais c'est tout à fait normal. Vous me croyez complètement fou, n'est-ce pas? Mais si je vous raconte que j'ai vu un rat gigantesque, un rat aussi énorme qu'un gros chien loup. Il a bondi de la poupe du navire ce matin, aussitôt après notre accostage, il a disparu dans les taudis du port. Oui, monsieur, et ce rat tenait dans ses... Il tenait dans sa gueule. Docteur Watson, voulez-vous avoir la bonté de ranimer notre nouveau client? Je pense qu'il a eu une crise de fièvre de Namibie. Au travail, Watson. Les dés sont jetés. Ha 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 ha